Salut les gens! Je voulais tout simplement en fait. D'abord, je vais mettre pour m'entendre. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Je voulais juste en fait changer un peu mon intro. Donc première chose, c'est que je vous mets mon snap personnel en bas de la vidéo. Putain, oh là là, je galère. Bref, en fait, comme ça, si vous voulez me snapper ou des trucs comme ça, et si vous voulez que je vous réponde aussi, ce qui est bien, ou si vous avez des questions sur certains trucs et tout, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va parler d'un BlackBerry assez futuriste, puisque en quelque sorte, pour l'instant, il n'a pas été, on va dire, mis en vente et puis surtout en développement, puisque c'est plus, on va dire, un concept d'un ingénieur. Après, ça reste à voir dans le temps, mais je pense pas du tout qu'il va sortir. Mais ce concept-là, je vais pas vous mentir, il m'a énormément plu. Et c'est pour ça que je vous fais afficher sur l'écran des images. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, donc si vous voulez aller looker, je vais essayer de voir si elle est sur YouTube, parce que je l'ai vue sur Dailymotion. Donc, pour voir si elle est sur YouTube et tout, je vous mettrai le lien dans la description. Et ouais, franchement, j'ai trouvé assez intéressant, puisqu'il, on va dire, il combinait un peu cet aspect de BlackBerry qu'on connaît tous, un peu ce clavier, voilà, le clavier. Alors ici, par contre, c'est juste le clavier, si je dis pas de bêtises, c'est le QWERTY. Voilà, on retrouve ce clavier là. Alors juste avant de commencer, de vous expliquer un peu ce concept, parce que c'est un concept, un prototype en tout cas, c'est monsieur, donc en tout cas comme je vous l'ai dit, un ingénieur, Andrew Zilin, voilà, il s'appelle comme ça, et donc il a réalisé ce concept là. Il a aussi fait une vidéo un peu en 3D, et voilà, nous montrant un peu ce BlackBerry là, tout simplement, qui a une phase un peu tactile. La particularité, c'est que c'est un coulissant en quelque sorte. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de coulissant comme ça sortir, enfin sortir, c'est à dire voilà, en tout cas en œuvre dans, voilà, dans l'actualité et tout. Et en fait, il est coulissant. Il a une petite particularité, c'est qu'il est pas super grand. C'est pas comme un peu le smartphone que je vous ai montré, qui a été présenté à Barcelone, où voilà, c'est un téléphone en fait circulaire, hein. Donc vraiment le truc où tu regardes comme ça. Alors que celui-là, voilà, il est carré, il est assez simple, il est petit, il est coulissant. Donc on a vraiment la première utilisation, c'est vraiment l'utilisation tactile, parce que maintenant la plupart des internautes, des utilisateurs, voilà, ils recherchent vraiment, on va dire, un smartphone tactile. Et voilà, ça permet vraiment d'utiliser le tactile et tout. Et puis alors, un peu ce côté BlackBerry, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est voilà, il est coulissant un peu à la diagonale. Donc vous coulissez, hop, et puis tout d'un coup vous vous retrouvez avec un bon petit clavier. L'écran assez petit, puisque c'est 3,5 pouces, par exemple mon smartphone, enfin qui est un Samsung assez basique. Et c'est du 4,5 ou du 5 pouces, je me rappelle plus. Mais voilà, on va dire, c'est un écran assez petit. Par contre, au niveau de la coque, j'ai énormément aimé, puisque c'est une coque en cuir. Très jolie coque. Non, mais franchement, moi j'aime bien que d'avoir du plastoc ou d'avoir une matière comme ça. Voilà, donc bien sûr, assez basique, puisqu'on retrouve juste un port, enfin en tout cas de ce qu'il a montré dans la vidéo. Ce que j'ai pu voir, c'est une prise jack 3,5 mm. Je crois que j'ai pu voir aussi, donc simplement, le fameux port que de BlackBerry et que d'autres aussi appareils qu'on peut retrouver pour recharger l'appareil. Et puis c'est à peu près tout. Au niveau de la batterie et tout, il n'y a pas d'informations. On a juste, voilà, c'est juste un concept, mais qui peut éventuellement, voilà, si ça plaît vraiment au public, des personnes, ils demandent finalement à ce que ce soit en développement. Et bien après, peut-être BlackBerry peut se dire, ah bah voilà, ça peut être une très bonne idée et tout. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez, de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Malheureusement, il n'y a pas plus d'informations et tout. Mais en tout cas, s'il y a plus d'informations sur cette technologie là, je vous en dirai plus. Parce que pour moi, ce genre de concept, j'adhère. Je trouve que d'ailleurs, moi, le smartphone, enfin en tout cas, il me plaît. Voilà, et au passage, il s'appelle le BlackBerry L. Hein. J'ai présenté le smartphone sans donner le nom, enfin, même s'il n'existe pas vraiment, hein, c'est juste pour l'instant que virtuel en quelque sorte, enfin c'est que par photo, voilà, mais en tout cas peut-être que un jour ça peut, elle peut donner naissance, enfin elle peut donner naissance ce smartphone là, on sait pas. Voilà, surtout les gens, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.